Salut tout le monde, ça fait longtemps, on se retrouve sur One Piece Fighting Pass après quasiment plus d'un an et demi sans avoir joué, enfin sans avoir fait de vidéo, mais j'avais joué en off sur mon compte principal, là c'est un compte secondaire. La simple et unique raison c'est que sur mon compte off, je ne peux pas, enfin mon compte principal, je ne peux pas payer. Et du coup, j'étais toujours très limité en sachant que je kiffe invoquer, j'ai toujours limité dans les invocations et de ce que je voulais avoir. Et je suis un très mauvais économiseur de cristaux dans les gachas en général. Tout dépend en fait du perso qu'il a. S'il est leak quelques mois, enfin s'il est leak ou qu'il a été annoncé quelques mois auparavant, là j'économise. Enfin, bref, on est comme je l'ai dit sur One Piece Fighting Pass, on redécouvre le jeu. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu pas mal de mises à jour, etc., etc. Et il y a eu pas mal d'ajouts de modifications d'interface pour ceux qui ont arrêté et tout. Et on va partir sur cette petite découverte en attendant l'arrivée de Shanks vu qu'il arrive dans 3-4 jours. Ok, on va parler tranquillement. Voilà, on est ici, on est dans la ville, on se met bien. Là, faut que je up 22. Et où est-ce qu'on pourrait aller pour XP? On va aller faire ça. Bon, ok. Bien sûr, là, je suis en train d'économiser. Je suis à 5 multi. C'est un nouveau compte. Je suis à peine niveau 21. Ou forcément, il y a pas mal de choses à farm. Surtout avec les quêtes de Sanji et tout. J'ai encore 3 voire 4 multi à farm. Du coup, je suis bien. Et let's go. Bon, là je suis en auto, on va parler un peu. Ceux qui veulent suivre mon aventure, je ferai cette aventure également sur Twitter, enfin sur Twitch. Et les invocations seront aussi sur Twitch. N'empêche, on va pas se mentir que c'est réellement l'un des meilleurs jeux auxquels on a pu tester et jouer, ne serait-ce au moins que sur une courte durée de 2 ou 3 mois. Hein. Vous l'avez vu par vous-même, le jeu m'a fait kiffer et tout. C'était juste par rapport à la langue et le fait que le PVP nécessitait du. Le PVP nécessitait d'avoir un bon ping. Et même avec le fameux VPN pour réduire son ping à 120 ou 130, c'est vraiment limite. Du coup, ça m'énervait un peu et voilà quoi. Ok, let's go, on continue petit à petit, on up. On met un peu toute la stamina. Parce que voilà, faut que je sois niveau 22 pour débloquer les autres quêtes. Et normalement, là, on a bientôt le bonus. Enfin, on a bientôt le reset. Normalement, dans 20 minutes, on a le reset. Là, il est 16h40. Je dis pas de bêtises. À part si on l'a eu avant. Let's go, on va changer sur Ace. Bien sûr, Shanks qui arrive, comme vous l'avez vu. Le perso est juste incroyablement incroyable. Il est stylé, ils l'ont respecté. Pas comme sur One Piece Bounty Rush, hein. Faire ça. Bon, là j'ai pas encore débloqué toutes les compétences avec les persos, hein, vous l'avez vu, hein. Du coup, ça va nous prendre un peu de temps. Oh, n'empêche, le jeu reste toujours une claque après quasiment 2 ans, presque 2 ans après sa sortie. Let's go. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable de redécouvrir une énième fois ce jeu.
pour une énième, pour une deuxième fois le jeu plutôt. Je suis satisfait, les gars. En attendant des futurs jeux. Ok, bon. On va faire un petit. Pour vous montrer à peu près j'ai combien de multi, on va aller dans les bannières, dans les portails. On récupère ça. Remarque, on récupère quand même un dernier ticket. Et après, on part dans les portails. Ok, let's go. Voilà, je suis un peu laissé à n'importe comment, hein, je m'en fous. On va juste terminer rapidement pour vous dire que j'ai repris le jeu. On se met bien. Bien sûr, on va reprendre le jeu sérieusement. On fera pas. Enfin, sérieusement. Pas au point de se connecter tous les jours, mais voilà. Je joue Drop Shanks. Se peut que en attendant le nouveau gameplay de Blue Lock, en attendant surtout Black Clover Mobile, JJK, Inazuma Eleven, il se peut les amis que vraiment ça pourrait être notre troisième jeu sur, sur notre chaîne Twitch. Ben les secondes, on récupère ça. Ok. Et du coup, on va aller. Bon, on fait ça. On va aller dans les portails. Voilà, j'ai 3 multi ici, 2 multi là, 3 singles. Et let's go, hein. Let's go. Je suis à 4 heures sur la pitié. Et c'est bientôt l'arrivée du grand roi qui est le grand goat de Shanks, Shanks le roux, Shanks le gitan. On l'attend avec impatience. D'ailleurs, où est-ce que j'avais vu son truc? Pas ici. On va récupérer ça parce que c'est gratuit pour 20. On peut se permettre. Je sais que je l'avais vu quelque part. Bon. Bon, c'est pas grave au pire, mais j'avais vu le petit logo de Shanks où il disait que l'XP était x2 et tout. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous dire que je reprenais le jeu. Et je vous dis, du coup, pourquoi pas ce soir pour un petit live chill sur le jeu, en attendant le reset. Et on va bien sûr invoquer sur Shanks en live pour voir si on sera chanceux ou non. Bien sûr, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.